Queen ma fafa, abonnez-vous, merci. Alors, pour toutes ces belles femmes, sachez que Queen ma fafa a sa propre marque de cils qui est actuellement vendue au Congo Brazzaville, à Pointe-Noire et ainsi que à Dakar. Veuillez me contacter sur mon WhatsApp pour toutes celles qui sont intéressées. Merci. La Forqueza a sa deuxième page Instagram qui est basée sur la beauté, car elle maquille, elle coiffe, elle fait pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à aller la suivre sur sa page Instagram que je vais laisser là. Et voilà quoi, faites de même sur mes comptes, mes réseaux sociaux. De liker, commenter la vidéo et j'aime partager. Trop comment elle me maquille. Et regardez le résultat, c'est juste waouh. A few moments later. Tadaha! Bienvenue sur la chaîne de Queen Ma Fafa. La Fofkeza, yeah. Yes, yes, yes. I'll be this girl. Go and share, go and like. Ok. Comme vous avez compris, elle s'est déjà présentée avant que je puisse la présenter. Ah. Ça, c'est Keza. Vous connaissez déjà la chaîne. Je mets souvent la chaîne en description. Mm-hmm. Comme je vais mettre tout à l'heure. Comme ça, vous allez vous abonner. Allez regarder mes vidéos. Mm-hmm. Sur certaines de mes vidéos, c'est vrai que je parle en anglais, mais il y a la traduction. Regardez les vidéos et puis soutenez votre soeur. J'espère que vous allez bien. Nous, on pète la forme. Mm-hmm. Aujourd'hui, on est là pour un challenge. Mm-hmm. Yeah. C'est un challenge qu'on voit souvent genre sur Instagram, sur TikTok et tout. Du genre, je vais lui bonder les yeux. Bon, je vais aller d'abord dans son garde-linge, choisir au moins deux ou trois looks, on verra bien. Mm-hmm. Et ensuite, je vais lui bonder les yeux, elle va s'asseoir et elle va choisir sans savoir, sans savoir lequel des vêtements elle a choisi. Et ensuite, elle va s'habiller. Et vous allez voir le résultat. Okay. J'espère que vous allez aimer, partager et surtout commenter et s'abonner à la chaîne et donner un like à cette vidéo. Ok, et le pouce là c'est gratuit. Faut faire seulement think simple. Ah. Tu n'as même pas besoin de commenter. Tu peux voir la vidéo, tu peux juste liker et ensuite partager la vidéo. C'est simple, my nigga. Donc. Sans plus tarder. Je l'emmène d'abord, elle va aller choisir. Ouais, elle va me dire en fait où sont les hauts, où sont les pantalons, où sont les slips, le soutien. Elle va aller là-bas, slips, le soutien, j'ai déjà porté. Faut pas qu'on puisse éparpiller. Je vais l'emmener et elle va choisir les vêtements. Donc, allons-y. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, ici, c'est les armoires. Life of Kezaya, là-bas c'est des pantalons jeans, là-bas c'est les pantalons en tissu, en bas c'est les noirs, en haut c'est les. Tu sais, tu es en train de bien voir. Même ici lesquels... on a des petits hauts qu'on met à l'intérieur des vestes et tout. Et là. Pas seulement des vestes, madame. Ouais, c'est voilà. C'est toi qui aimes mettre ça sous tes vestes. Dis-moi juste où sont les vêtements que tu as l'habitude de porter, genre qui te vont encore en ce moment. Tout! Ici là il y a tu peux choisir ce que tu veux, ça va m'aller. Donc okay. Ici on a chemise, veste et tout. Mm-hmm, et il y a pas que ça, il y a l'autre armoire. Voilà. Deux armoires, hein, Queen Ma Fafa. Ici je pense que ça va pas vraiment t'intéresser parce que là de ce côté on c'est a. C'est les habits genre de la maison. Oui, non là c'est les pour le sport. Ici c'est pour les culottes, genre tout ce qui est culottes et voilà. Là-bas de l'autre côté c'est quelques hauts, les hauts de sortie que j'ai mis et de l'autre côté là-bas c'est les jeans de les jeans pour la maison et en bas c'est les manteaux et quelques pulls. Là-bas c'est les robes. Ici en bas j'ai des robes de sortie mais comme tout ce côté là a pris la place donc les robes sont à l'intérieur. Et ici, on a des débardeurs. En bas, là-bas, c'est tout ce qui est maison. Ok, madame, you are not doing a hole. Alors, ici, c'est les chaussures. Ici, c'est vraiment là où se trouvent les chaussures. Alors, elle va venir choisir niveau chaussures ici. Excusez, ici, j'ai pas encore trouvé un rangement comme ça pour ranger le reste de mes chaussures. Voilà pourquoi ça traîne au sol. One hour later.
Donc les gars, j'ai trouvé quelques vêtements et tout. Et je crois qu'on est prêt. J'ai trouvé, je crois, deux hauts, deux bas, bon, des jupes, des jeans et puis des vestes. Donc voilà quoi. Je crois que si on trouve une vidéo, on va vous mettre un exemple en fait de comment ça se passe et tout. Et voilà, donc là on va aller au salon, lui bander les yeux et puis on va commencer la vidéo. C'est bon. Je sais pas ce que Christian va préparer. C'est là, il va fermer les yeux, je vais aller chercher les vêtements et puis voilà quoi. Let's go. Donc les gars, vous avez ces deux roues là. Elle va choisir celui de droite ou celui de gauche. Voilà. Aide-moi. Je prends ça. This one. Alright. Droite ou gauche? Ok. Droite ou gauche? Je prends ça. Ok. Donc, madame, gauche ou droite? On va sur ça. Ok. C'est parti avec le premier look. Mais non, je sais pas à quoi je ressens. Sérieux. Le look, ça va quand même. Non, ce look, moi en général, je prends ce genre de crop top comme ça là pour mettre avec des vestes. Je ne porte pas ça comme ça. Genre le haut, la jupe et les talons. Et puis la perruque, ma foi, on ne peut pas peigner ou je sais pas quoi. Elle a déjà salué le haut. Mais de vous-même, genre ça là, c'est quand même un look, non? C'est quand même un look. Elle est en train de rentrer le vote. Fais rentrer le vote. C'est comme. C'est quand même un look. Gauche-droite, maman a choisi. C'est moi. Pour le look, franchement, j'aime les pièces. Sauf que ça ne va pas ensemble pour moi, selon moi. Ça ne va pas ensemble. Comme vous le voir, il y a deux. Donc, elle va choisir. Droite ou gauche? Ok. Ok. J'ai choisi ici. Ok. Arrête. Not that wicked. C'est ça que tu es. Toi, tu gauche. Ou à gauche. À gauche. Ok. Actually, it's not bad. Deuxième look. J'aime bien. Le résultat n'est pas mal. C'est pas mal, voilà. On dirait une bordure qui part en boîte. That's why you go to the club. Yes, like this. Go and shake your neck. Shake your neck. Shake your neck. Quand tu choisis aussi à l'aveuglement, tu peux tomber sur les bonnes choses. Donc là, je suis tombée sur les bonnes choses. Gauche ou droite? Ah. Gauche ou droite? Ici. Qu'est-ce que c'est? Gauche ou droite? Ici. Droite. Ici. Hey, c'est bien, je suis foutu. Gauche ou droite? Oui. Willy Nigga. Rien que ta respiration. Ça montre à quel point tu es en train de me comploter un truc mauvais. Troisième look. J'aime beaucoup. Ok. J'aime ce que j'ai choisi. Comment j'aime bien. J'avais peur des couleurs parce que il y avait trop de couleurs, mais porter, ça c'était quelque chose. Je m'attendais pas à ce résultat. En fait, après, quand j'ai mélangé les couleurs, je m'attendais à ce que ce soit ugly. Mais au final. Ça va. Et elle va jamais s'habiller comme ça. Mais comme elle a vu quand même le look, peut-être un de ces jours, vous allez voir les photos sur Instagram. Vous êtes déjà abonné sur sa page Instagram, allez vous abonner. Même un sac noir, ça peut passer. En tout cas, ça j'aime, Kessia, j'aime. Ça, je valide. Je valide mon choix. Le dernier tour. Le dernier. Nassine Abaye.
gauche ou droite. Je prends ici. Gauche ou droite. Ici. Gauche ou droite. Je prends ici. I'll kill you. Lago, regardez bien, elle est en train de changer les articles que moi je choisis. Waouh! Oh ben, qu'est-ce qu'il y a? Come back! Ah, non, let's move on weekend! Quand je suis vrai! C'est bien, je sais! Et enfin, quatrième look. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. J'avais peur pour elle. J'aime bien. C'est aussi bien que j'ai pas mis le soutien adapté pour ça. Mais si je change juste de soutien. Et... Déjà qu'elle a choisi les pièces que j'aime. Pour ceux qui me suivent sur mon compte Instagram, vous m'avez déjà vu avec ce mot là. Donc, porte le manteau, non? Et si tu fermes le manteau, ça se base tout. Si je ferme le manteau, j'aime pas. Avec le manteau, et au fait, le look allait être bien s'il n'y avait pas ça. Donc, à vous de commander lequel des looks vous préférez. J'aime bien. Les gars, nous sommes à la fin. À vous de commander, qu'est-ce que vous en pensez cette vidéo? C'est plutôt un challenge drôle ou un relooking challenge? Je sais plus. Je sais pas comment l'autre là, définir cette vidéo. Mais de mon côté, en tout cas, c'était fun de faire cette vidéo avec elle. C'était plutôt drôle et tout. Je me suis bien amusée. J'espère que vous allez aussi aimer. Et n'oubliez pas surtout de partager, commenter et donner cette vidéo un. Partager la vidéo. Voilà. Donc, je voulais la remercier d'être venue sur ma chaîne pour faire ce challenge avec moi. Merci Life of Kezaya, merci d'avoir pris mon temps. Baby, welcome. J'ai aimé faire la vidéo parce que c'était vraiment drôle. Au début, j'appréhendais, mais quand on a commencé la vidéo, c'était pas mal. Et j'avais peur de ce qu'elle allait me présenter, et du moins de ce que j'allais choisir. Mais au final, à part le premier là, le reste, j'ai aimé et c'était pas mal. Donc, lâchez-vous dans les commentaires. Vraiment, elle a fait son job. On a joué le jeu. Et remercie celle qui est derrière la caméra parce qu'elle aussi, elle a eu à mettre le piment dans son achéqué. Je vous fais de gros bisous et on vous dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bye bye. Bye.